Bonsoir à tous, nous sommes le 7 avril 2016 et nous sommes jeudi soir. Et comme chaque jeudi soir, nous voilà partis pour une demi-heure ensemble dédiée à l'actualité high-tech. C'est 01 Live Hebdo sur 01Net TV. Bienvenue Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Vous êtes sur 01Net TV pour le seul live hebdo en direct sur internet, sur YouTube, sur 01Net TV, c'est-à-dire www.01nettv.com. Et sur Dailymotion, t'allais oublier, coquin. Bah. J'allais le dire. Petit coquinou. J'allais le dire. 30 minutes pour débriefer l'actualité de la semaine avec vous, pour vous. Vous pouvez interagir comme d'habitude sur Twitter, hashtag 01Live. Évidemment, nous sommes en direct connectés à Twitter, hashtag 01Live. Avec, je pense aussi, pas mal de réactions ce soir puisque nous avons une belle nouveauté à vous présenter. Ouais. Dans quelques instants, vous saurez tout sur peut-être le début d'une nouvelle génération dans le domaine du smartphone. Des smartphones avec, pourquoi pas, un double capteur. Le Huawei P9 a été annoncé hier. On vous le présente dans un instant. Nous allons parler également d'une innovation surprenante. Imaginez un tableau de maître, en l'occurrence le peintre Rembrandt. Un tableau, excusez-moi. François, ne fais pas tomber les téléphones à 2000$, s'il te plaît. Excuse-moi, il est à l'envers, c'est pour ça. Voilà, il est mieux comme ça. Un tableau reconstitué comme si c'était un vrai, à partir d'algorithmes. C'est Delphine Sabatier qui viendra tout nous dire dans sa chronique Zoom Actu. David Noguera n'a pas été reconstitué grâce à des algorithmes. Il est fait de chair et d'os et de sang. Et il a testé un truc assez étonnant. C'est presque de la kinésithérapie connectée, Jérôme. Ça m'intéresse parce que j'ai une petite douleur. Oui, je sais, ici, ben, je sais, tu me demandes justement de te masser à chaque fois et moi j'hésite. Hein. Voilà, il nous parlera de ça et puis de plein d'autres choses. On a un truc aussi incroyable à vous montrer si vous êtes un gamer. On a une espèce de, comment dire, de transformer de PC à vous montrer. Un PC comme vous n'en avez jamais vu. Voilà, et puis on vous montrera aussi le PC le plus fin au monde tout à l'heure, un PC portable. Ben voilà, restez avec nous. C'est parti, 01 Live Hebdo, c'est tout de suite. Et pour débuter, Jérôme, notre question 01Net Orange du jour. On va parler de smartphone. Sur quels critères prioritairement choisissez-vous un smartphone? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous regardez en priorité? Son design, la taille de son écran, la qualité de l'appareil photo, la puissance de l'appareil ou encore la marque? Eh bien, dites-nous, donnez-nous votre avis. Vous allez sur www.01nettv.com et vous avez le petit sondage là à droite. Vous cliquez, on refait le point tout à l'heure. Oui, parce que c'est vrai que les constructeurs misent de plus en plus sur une fonctionnalité précise qui est la photo. Ouais. On va en parler dans quelques instants avec Jean-Sébastien Zanqui, qui a eu la chance de pouvoir prendre en main le P9, le Huawei P9, qui est assez innovant en termes de photo. Mais avant de parler du P9. Oui, avant tout cela. Nous voudrions ouvrir dans 01 Live une espèce de petit dossier spécial robot. Ouh là là, attention. Oui. Ça me fait un peu peur, Jérôme. On va parler de robots parce que moi, j'ai peur des robots. Je te le dis tout de suite. Je sais que tu as peur des robots. Mais oui, je sais. Et je pense que là, tu vas avoir encore plus peur. Parce que regardez ça, je pense que c'est l'image la plus gore de la semaine. Oh mon Dieu. Alors, parce que, attends, ça, aurait, monde, ça pourrait parce être... Parce que tu sais qu'on a de jeunes spectateurs qui regarderont à la vidéo. Est-ce qu'ils peuvent regarder ce qui suit? Alors, on va dire oui, parce que heureusement, nous avons censuré certaines images. Oh mon Dieu. Pour que ça reste tout à fait présentable. D'accord. Donc là, il n'y a pas de souci. Ouais. Vous pouvez regarder ce qui suit. Bon, vous connaissez Scarlett Johansson, hein? Alors, je la connais. Actrice pas personnellement américaine. À mon grand regret, mais c'est vrai que j'apprécie son talent de comédienne. Eh bien, à ton grand regret, c'est également le cas de ce designer de Hong Kong qui est fan de Scarlett Johansson et qui a donc décidé, ni plus ni moins, non pas de la demander en mariage, parce qu'à mon avis, il n'aurait pas eu grande chance, mais en revanche, de créer un robot à l'image de Scarlett Johansson. Tu veux dire que là, on est en train de regarder le robot de Scarlett Johansson qui est en train de... Ouais. Visiblement qui est en train de casser des noix avec sa bouche. Hein, parce que... je ne mettrai pas mon doigt dans sa bouche parce qu'à mon avis, tu dois y laisser d'une phalange. Hein, ouais. Tac, 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 comme ça. Ouais. Pourquoi tu mets ton doigt dans ta bouche d'ailleurs? C'est un peu bizarre. Comme, Non, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Parce que c'est assez... quand même assez étrange. Elle a d'une manière... Jean-Sébastien, arrête de rigoler. Tu mets souvent des doigts dans la bouche des gens, toi. Non, mais là, voilà, c'est... Encore, bon... Enfin,
Ah ok. Tout peut arriver très vite. C'est vrai, tout peut arriver très vite. Donc là, regardez, elle fait comme ça, c'est moi Scarlett Johansson. Voilà. Bon, enfin, c'est incroyable. Attends, il y a quand même le petit truc sensuel à la fin, elle fait un petit clin d'œil. Elle fait un petit clin d'œil, ouais. C'est la complicité. Donc, alors, vous l'avez vu, c'est pas la vraie Scarlett. Non mais l'impression... Regardez, attendez, hop, juste un petit peu, quelques secondes. Oh, magnifique. Le glamour clin d'œil à la fin. Mais c'est assez troublant quand même, cette image. Ah, mais parce qu'elle est un petit peu ressemblante, comme ça, le visage est assez ressemblant en gros plan. C'est vrai. Mais en même temps, il y a ce côté très mécanique. Et puis alors, on vous a pas fait écouter la voix, mais elle a une voix horrible. Et on peut imaginer que ce japonais l'imagine comme fiancé, c'est ça ? Ben oui, je pense que c'est un peu pour ça qu'il l'a fabriqué. Il l'a entièrement créé lui-même. Pourtant, il avoue qu'il n'est pas un professionnel de la robotique, ni même un spécialiste de la robotique. Mais il a créé des pièces avec une imprimante 3D. Il lui a fait une cage thoracique. Il lui a fait des membres. Dessus, il y a une peau en silicone. Ouais. Et puis, il y a des petits moteurs pour faire fonctionner tout ça. Ben oui. En revanche, côté jambes, elle est beaucoup moins sexy. Ouais. C'est encore un peu... c'est pas très joli. J'allais dire... Elle tremble un peu, je pense qu'elle est un peu Parkinson, non ? C'est un peu spécial. Bon, enfin, bon, voilà, c'est Scarlett Johansson, mais version japonaise. Quoi. Ouais, mais alors ça, vous savez quoi ? Eh bien, il faut se préparer, à mon avis, à voir arriver de plus en plus de choses dans ce goût-là. Tu veux dire par là que demain, on pourra avoir des robots fiancés, se fiancer avec des robots ? Je pense qu'il y a des choses incroyables qui se préparent, et effectivement... Jean-Sébastien Zanqui va partir, là, je le sens un peu gêné, il est un peu gêné. Pas du tout, non. Et même, oui, et alors, eh bien, il y a même des tests qui ont été faits, qui tendraient à prouver que... On peut éprouver de certaines sensations, voire de l'émotion, voire même de l'excitation en ayant des rapports avec un robot. Alors ça, c'est une étude très sérieuse qui a été faite à Stanford aux États-Unis. Quand tu dis des rapports, c'est des... Toutes sortes de rapports. Des rapports humains. D'accord. Voilà, oui. Ouais. Oui, et alors cette étude ? On ne va pas aller plus loin, mais toutes sortes de rapports, il faut bien le dire. Disons-le. Voilà. N'ayons pas peur des mots sur 01net TV. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Exactement. Et alors une étude très sérieuse qui a été une expérience, en fait, avec le petit robot Nao, vous savez, le robot français Nao, qui est pourtant pas bon, ultra sexy, lui. Oui, il est mignon, si tu veux, mais bon, c'est comme si tu me disais, tiens, ben voilà, fiance-toi avec un schtroumpf, quoi. C'est pas... T'es pas... Ouais, je crois pas que vous feriez un beau couple avec un schtroumpf. Mais... C'est vrai. Ça, c'est une autre blanc histoire. Blanc et bleu, c'est les couleurs de l'OM, ça ferait plaisir à Jérôme en plus. Et donc, c'est une du son de ce soir. Une expérience très, très, très sérieuse. Un jeune homme, on lui a pas dit, mais on lui a pas dit ce qu'on allait analyser. Et en fait, on lui demande de toucher différentes parties du corps de Nao, ses oreilles, sa main, etc. Ouais. Et à un moment, on lui demande de toucher les fesses de Nao. Eh bien, en analysant son niveau de stress, la conductivité de sa peau, etc., on s'aperçoit que ce jeune homme, quand on lui demande de toucher les fesses du robot, ça lui procure un sentiment visiblement un petit peu étrange. D'accord. Bon, il sortait de prison ou pas, le monsieur ? Non, parce que peut-être qu'il était, on va dire, un peu fatigué. Non ? Mais... C'est pas ça. Voilà. D'accord. On n'a pas les images du robot Nao. Alors, allons-y. Ah bah voilà. Alors, vas-y, JD. De Nao. Donc là, il lui touche la tête, ça va, ouais, il a l'air cool. Va, hein. Tout va bien. Voilà. Il y a le son, je crois. Hein. Maintenant, il va lui demander de toucher Please le buttocks. C'est-à-dire les fesses, en fait. Les fesses, voilà. Voilà. Alors, on voit pas tous les détails, mais c'est là que, eh bien, il avait des capteurs sur lui, ce jeune homme. Et... Il était un peu, voilà, ça l'a un peu... Ça l'a un petit peu émoustillé. Hein, voilà. Bon, c'est bah troublant, écoutez, hein. ça fait un peu flipper. On peut le dire. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, on va refermer notre parenthèse robot. On parlait il y a quelques instants de Scarlett Johansson en plastique, Jérôme. Cette Scarlett Johansson, voilà, en latex, qui fait comme ça, là, qui pourrait t'écraser le doigt si tu mets ton doigt dans sa bouche. Donc, enchaîne. J'enchaîne parce que figure-toi que Scarlett Johansson est à l'honneur aussi de ce Zéro Live Hebdo. Elle rentre dans ce studio. Non, pardon, c'est pas ça. Non, j'en aimerais bien. Mais Hi, c'est Scarlett. L'égérie. Welcome, Scarlett. C'est la nouvelle égérie de Huawei pour le téléphone qui a été annoncé et que nous avons ici même dans ce studio. Regardez, voici la vraie Scarlett. Ah, ça, c'est le vrai téléphone. Voilà, c'est ça. Oui, on voit plus le téléphone que Scarlett, mais enfin, on va c'est voir, un peu vous le but du jeu. Un c'est une pub là, qu'on c'est, vous montre. C'est la pub. En avant-première. Et là, voilà Scarlett. Voilà, donc c'est l'égérie, effectivement. Alors, il y a le monsieur aussi de Superman à l'intérieur. Hein. Oui, alors, voilà. Moi, je l'ai vu en vrai hier, le monsieur de Superman. Oui, à Londres. Il t'a appelé « Salut Batman ». Exactement, il m'a pris pour Batman. Et oui. Non, mais voilà, on était à Londres, on va tout vous dire, on est rentré il y a quelques heures à peine, effectivement, pour cette grande présentation très hollywoodienne du nouveau P9, et il y avait le monsieur de Superman qui s'appelle Henry Cavill, hein, si je ne m'abuse, l'acteur... Oui, exactement. Pardon ? Kelvin ?
Calvin. Non, parce que c'est Calvin Klein, c'est ah, du parfum oui. et des fringues. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est Superman, quoi, si vous voulez. Hein, en gros, oui. Parce qu'on l'appelle comme ça, de toute façon. Bien sûr. Plus important Superman que son vrai nom. Hein. Et alors, non, mais c'est, ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est qu'on se rend compte que Huawei est prêt à investir des millions et des millions de dollars pour se payer des stars hollywoodiennes pour promouvoir en fait son nouveau téléphone que eh bien Jean-Sébastien Zanqui a eu en main hier, tout comme nous d'ailleurs. Salut Jean-Sébastien. Salut. Journaliste nous y venons enfin. On dit bien. Alors c'est le vrai Jean-Sébastien Zanqui. Hein, oui, je ne parce suis que pas vous un vous robot. Mais comment ce personnage aussi parfait peut être humain? Eh bien oui, malgré tout, vous voyez, la nature fait des choses parfaites. Avec cette belle barbe là, nickel, comme ça. Jean-Sébastien, oui. Ce P9, première particularité, c'est qu'il a deux objectifs. Deux objectifs photo. Donc, si on peut les montrer là, faire quelque chose avec Pierre. On commence à avoir pas mal d'appareils hein, avec deux objectifs photo, puisqu'il y a le G5 là, qui va arriver incessamment sous peu, qui avait été présenté au Mobile World Congress. Mais chacun a un petit peu son approche, c'est-à-dire que les deux objectifs ne servent pas forcément à la même chose selon la marque qui l'utilise. C'est-à-dire que le G5, lui, mise plutôt sur des focales différentes avec des angles différents, tandis que Huawei, ici, c'est associé avec Leica pour en fait intégrer deux capteurs, donc un capteur couleur et un capteur noir et blanc. Et donc ces deux capteurs, la combinaison des photos, des prises de vue faites avec ces deux capteurs font une photo finale qui selon Huawei est évidemment bien meilleure que la concurrence, puisque c'est toujours le discours que les constructeurs ont. Et il y a aussi un mode noir et blanc qui est vraiment pas mal et qui est en fait aussi un clin d'œil à Leica, qui est le partenaire qui fabrique les objectifs, qui a un appareil photo qui ne fait que des photos noir et blanc, un appareil photo numérique qui ne fait que des photos noir et blanc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce double capteur photo et puis ce partenariat avec cette marque mythique historique de la photo qui est Leica. Là aussi on voit Huawei donc mise gros sur les stars et puis aussi avec les stars de la technologie, on va dire, en tout cas de la technologie haut de gamme, puisque Huawei, Leica, c'est une marque qui a plus de 100 ans, qui a des appareils vraiment haut de gamme. C'est vraiment une marque qui passionne et puriste de la photo, une photo qui a un grain, une particularité en termes d'image, tout à fait, etc. C'est vrai que c'est un peu, c'est deux mondes, enfin Huawei et Leica, c'est vraiment deux mondes opposés, et de voir Leica arriver sur les smartphones Huawei, ça montre quand même que le constructeur chinois a vraiment beaucoup de volonté en tout cas de marquer les esprits et de monter encore un peu plus en force sur le marché du smartphone. Leica qui est passé au numérique il n'y a pas très longtemps en fait. Hein, il y a quelques années. Maintenant ils font des... Tardivement par rapport à des Canon, Nikon, etc. Tardivement. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors bon, il est bien évidemment trop tôt pour... on va dire, tirer une conclusion concernant l'aspect technique de ce téléphone. Bien sûr. Tu l'as eu en main malgré tout quelques heures. Oui, tu t'es beaucoup amusé. On était à côté dans le TGV pour entrer, enfin sur l'Eurostar pour entrer. Et tu t'es amusé, tu as fait des tests, etc. Déjà un petit avant-goût ou pas? Oui, alors en termes de puissance, ce Huawei P9 a un processeur Kirin 955. Donc c'est le processeur qui est conçu par Huawei. Huawei fait partie des rares constructeurs qui conçoivent leur processeur, un peu comme Samsung ou Apple. C'est un processeur qui, globalement, est quand même un ton en dessous des hauts de gamme de chez Samsung ou Apple. C'est-à-dire que au niveau des scores, pour ceux qui connaissent AnTuTu, qui est un outil de benchmark, on arrive à des scores qui tournent plutôt autour des 96 000 points, quand les Galaxy S7 ou les iPhone 6S font 130 000 points. Donc c'est pas immense comme différence, mais quand même il y a une petite différence. Dans les jeux 3D également, on voit qu'on tourne plutôt autour des 53-54 images secondes sur des jeux 3D assez gourmands, tandis que le Galaxy S7 est plutôt à 58-59. Donc bon, la différence à l'œil on la verra pas, mais malgré tout c'est un petit peu en dessous de ce que peut faire un Galaxy S7 par exemple. Côté photo, un petit peu amusé aussi. On voit que c'est quand même, les objectifs ont l'air assez précis, et puis il y a des fonctionnalités surtout qui sont assez marrantes et assez originales qu'on ne retrouve pas forcément sur beaucoup d'autres marques, notamment la possibilité de faire le point sur une photo après avoir pris la photo. Jérôme s'est régalé avec c'est vraiment toutes hyper les 10 sympa. Minutes il me dit regarde ça, c'est génial c'est vraiment hyper sympa et ça fonctionne bien, ça fait très belles images, et ça fonctionne bien, c'est à dire qu'on va prendre la photo par exemple le portrait d'une personne avec donc l'arrière-plan comme on le voit ici qui est flou, c'est l'effet bokeh qu'on a
appelle en photo. Mmh. Et là, on va pouvoir, en touchant l'arrière-plan, faire le point sur, là en l'occurrence, on voit sur le bus derrière, mmh. tandis que le sujet au premier plan va être flou. Et ça, on le choisit enfin, une fois qu'on a pris la photo. Voir le bus, là, dans ce cas précis, ça sert à rien. Ça n'a pas grand intérêt. Voir la jolie demoiselle blanche. Non, bien sûr, mais en tout cas, la démo fonctionne bien. La démo fonctionne bien, c'est assez sympa. Il y a plusieurs plans, il n'y a pas que deux plans, c'est-à-dire qu'on peut vraiment varier s'il y a plusieurs objets qui sont les uns derrière les autres. On peut vraiment varier en fonction de... Et alors, ça donne ce côté un peu pro. Exactement, ça donne le côté réflexe. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. C'est pas nouveau, ça, Jean-Sébastien, parce qu'on avait déjà vu ça, non ? HTC l'avait fait, mais ça fonctionnait pas de manière vraiment, en tout cas, aussi transparente que là. Et aussi, non, c'est pas très répandu comme fonction. Hein, non, je disais simplement que ça existait. Ça existait déjà sur d'autres smartphones. C'était le Litro, l'appareil photo, qui n'était pas du tout un smartphone, mais qui avait introduit cette fonction. Vous savez, cet appareil qui ressemblait à une espèce de briquet, de tube là, rectangulaire. Ok. Voilà. Alors, l'autre particularité de ce téléphone, c'est que visiblement, il ferait d'excellentes photos en basse luminosité, parce que, justement, comme il a deux capteurs photo, on pourrait, l'addition des deux images pour être amélioré en quelque sorte. Oui, effectivement, ça peut également. Ça aussi, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des photos qu'on a pour l'instant visionnées que sur l'écran de l'appareil. Oui. Donc c'est toujours. Ça peut être trompeur par rapport aux photos qu'on va voir après sur l'écran d'un ordi, qu'on peut tirer ensuite sur papier. Mais en tout cas, c'était plutôt ça allait dans le bon sens. C'est a priori, ça a l'air d'être sur le haut du panier, des smartphones, en tout cas, aussi en basse luminosité. Après, voilà, ça reste encore confirmé, on va faire nos tests en labo pour être sûr de ça. Alors justement, notre question 01net Orange de cette semaine évoque les particularités du smartphone. Mmh. Eh bien écoutez, la photo apparemment ne passionne pas les foules parce qu'elle n'arrive qu'en cinquième position. Il faudra envoyer le résultat de notre sondage à Huawei ce moment-là. Donc en priorité, c'est la marque. Suivi par la puissance, par le design, et puis la taille d'écran et la qualité photo. Voilà. Tiens, intéressant comme résultat. Ouais, parce que c'est vrai que... Ouais, c'est étonnant, parce que c'est vrai que les constructeurs misent beaucoup là-dessus. Aujourd'hui un petit peu c'est sur ce segment-là qu'ils essaient de battre. Je vous rappelle que nous adressons un public de geeks, de spécialistes. Ouais, c'est pas étonnant s'ils mettent notamment la puissance du smartphone en très bonne position. Mais il se trouve que bientôt va sortir le nouveau HTC. Oui. Et ce nouveau HTC, en tout cas HTC communique sur le fait qu'ils vont sortir un téléphone qui sera sans concession côté photo. Aussi. Donc ça va être intéressant de... On va voir. Enfin, il y a une vraie bataille. En tout cas, les constructeurs essayent de se différencier tous sur ce point-là et de manière différente en plus. Mm-hmm. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ce double capteur vous intéresse? Voilà, n'hésitez pas. Le hashtag 01live sur Twitter. Nous sommes en direct. On jette un œil, évidemment, sur toutes vos réactions ce soir. 18h18, merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui. Merci à vous. Merci Jean-Sébastien. Et comme promis, c'est la chronique de Delphine Sabatier. Zoom Actu, tout de suite dans 01live Hebdo. De retour sur ce plateau avec Delphine Sabatier qui était avec nous, qui nous a rejoint. Bonsoir Delphine. Bonsoir François, bonsoir Jérôme, Delphine. Bonsoir tout le monde. Directrice des rédactions de 01net.com pour le Zoom Actu de ce jeudi. Delphine qui nous emmène au musée aujourd'hui. Un peu de culture. Ça va changer, hein Jérôme. Oui, allez, ça va surtout après te changer. Après tes robots de Scarlett Johansson en plastique. Eh bien, on va parler d'un Rembrandt en plastique, ou presque. Rembrandt. Ah non, tu peux pas dire ça. Non. Mais regarde ça, mais tu vas choquer. Mais quand même, Delphine. Si j'ai bien compris, il a été fait en impression 3D. Donc Rembrandt, grand peintre hollandais, etc. Plastique. Et plus de 300 ans après sa mort, voici un nouveau tableau de Rembrandt. C'est un projet magnifique, Jérôme, je vous assure. Il est magnifique et il est un peu fou, hein, parce qu'à l'origine, l'idée, c'est vraiment de créer effectivement une nouvelle œuvre de Rembrandt. On est plus de 300 ans après sa mort, vous l'avez dit. Une œuvre qu'il aurait pu signer, voilà, s'il était encore vivant aujourd'hui. Et tout ça, évidemment, sans pinceau, sans peinture, sans faussaire, sans toile, simplement à l'aide de données informatiques. Alors, comment ils ont fait? Pendant 18 mois, autour de la table, il y a eu des spécialistes des data, des développeurs, des ingénieurs, mais aussi des historiens d'art qui ont travaillé ensemble. Ils ont analysé plus de 168 000 fragments de peinture.
issu de 346 tableaux. Alors, des tableaux du maître, évidemment, des portraits, puisque c'est l'un des sujets de prédilection de Rembrandt. Au total, tout ça, pour mouliner toutes ces données, il a fallu plus de 500 heures de calcul, et l'œuvre fait 148 millions de pixels. François, c'est pas un bout de plastique, c'est les pixels qui ont remplacé les coups de pinceau et la texture de l'huile sur toile qui a été reproduite par de l'impression 3D, par un truc magique avec une succession de 13 couches d'une encre très, très particulière, qui a permis de reproduire justement ce relief qui est propre à Rembrandt. D'accord, oui, parce que je ne comprenais pas le rôle de l'impression 3D. Ah, voilà, mais... voilà. Voilà, maintenant, c'est bah, voilà. Delphine. C'est très beau. Tout de suite. Bon, Delphine, qui est derrière ce défi hors du commun? Oui, alors, c'est assez incroyable, c'est une banque, donc c'est ING, qui voilà, fait œuvre de mécénat et qui montre l'intérêt des data dans l'art. C'est Microsoft aussi qui a participé à ce projet, qui fournit toute la plateforme technique. Je l'ai dit, des nombreux spécialistes, il a vraiment fallu inventer des outils. On a dû créer un logiciel qui était capable de comprendre le travail de l'artiste pour décoder notamment son art de la composition, oui, ses matériaux fétiches. On a créé un algorithme spécifique aussi de reconnaissance des visages pour repérer les formes qu'il utilise les plus couramment dans ses peintures. Alors, il en sort dans ce nouveau Rembrandt qui a été imaginé, un portrait donc trois quarts droit d'un homme blanc d'une quarantaine d'années qui est plutôt vêtu de noir avec un col blanc flanqué d'un chapeau. Voilà, ça c'est ce que Rembrandt aurait pu peindre, aujourd'hui. Incroyable. Alors il y a des choses bien plus précises qui ressortent de ces données, évidemment, voilà, l'espace entre les yeux, la position du nez, tout ça. Les ombres, les lumières. Alors on va pas dire que au bout de cette aventure, ça, c'est les algorithmes qu'on reproduit ou crée un génie, hein, certainement pas. Ça permet quand même d'appréhender la manière dont on peint, dont un artiste peint. Et ça, c'est voilà, aujourd'hui très concret. Cette œuvre, elle s'appelle The Next Rembrandt. Je trouve que c'est vraiment très bien choisi comme nom, parce que c'est la suite de Rembrandt, quoi. C'est après l'immortalité, c'est au-delà de l'immortalité. C'est une espèce de deuxième vie qu'on lui offre, une vie numérique. Magnifique. Magnifique. C'est fascinant, hein, ce projet. C'est vraiment étonnant. C'est très beau et effectivement, alors ça montre aussi qu'on n'utilise pas encore beaucoup le numérique dans l'art, alors qu'il y a beaucoup de possibilités. Et c'est une prouesse technologique étonnante de se dire, voilà, on a réussi à peindre à la façon de Rembrandt. Et peindre, on n'a pas peint, on a composé, on a codé. Ouais. Merci beaucoup Delphine. Et il y a un site dédié, je crois, on peut aller voir tout ça. Nextrembrandt.com. J'invite à y aller, c'est une super expérience, on peut faire des zooms, on peut retrouver l'expérience des ingénieurs qui ont travaillé dessus, avec de très, très jolies citations sur cette œuvre. Delphine Sabatier, comme chaque semaine, Zoom Actu sur 01net TV. Bon, Jérôme, oui. Dans un instant, nous allons revenir et c'est David Noguera qui sera avec nous. On va aller direction le labo. David a deux nouveautés à nous présenter. On est là dans quelques secondes, à tout de suite. Avec toujours le hashtag 01 live sur Twitter pour nous laisser vos messages, pour réagir à l'actualité. Et pourquoi pas interroger David Noguera qui est avec nous, qui nous a rejoint dans ce studio. Salut David. Bonsoir. Bonsoir David. Ah, ça dépend sur quelle question. Hein. Alors sur Rembrandt, David. Alors il y avait une polémique concernant... Avant sa mort. Non, avec David, on va parler de kinésithérapie connectée. Exactement. On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Et puis, alors je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mon cher David. On peut commencer, pourquoi pas, par ce sujet. Un truc incroyable. Avec des patchs, des électrodes... Non, c'était super surprenant. Alors en fait, sans vouloir trop raconter ma vie, je souffre d'une cruralgie chronique. Donc c'est la sciatique, mais un peu à l'envers, ça prend l'autre côté de la jambe. Ah oui, donc c'est assez douloureux. C'est du vécu. Et donc lorsque j'ai rencontré cette société BlueTense qui m'a parlé de son Get Better, puisqu'on le sait quand même, les objets connectés et la santé connectée, c'est la grosse tendance quand même. Je me suis un peu dit, bon, c'est un peu la blague quand même. Comment ce produit va faire en sorte que je vais aller mieux? Et il y a un fait, c'est que dans mes différents traitements, au-delà des séances de kiné, il y a systématiquement ces massages doux avec des électrodes qu'on me positionne soit en début, fin de séance pour soulager un petit peu les douleurs. Donc j'ai tenté l'expérience, je me suis dit pourquoi pas, et je suis parti plutôt sceptique et revenu plutôt convaincu, parce que vraiment c'est étonnant ce petit boîtier. Alors dommage je ne l'ai pas avec moi, il est resté sur ma table de nuit, mais je l'ai testé assez longuement, mais c'est un petit boîtier, ça fait un bon moment que je m'en sers, quatre électrodes à se positionner sur le corps, et qui envoie donc des impulsions. Alors moi je l'ai utilisé dans ce cadre de renforcement pour mon problème
problème et ça fait plein de choses. Ça peut faire du renforcement musculaire, ça peut détendre après un match de foot. Là, non, c'est ces électrodes que l'on place et qui existent depuis très longtemps. Alors, il y a qui envoient des impulsions pour qui sont très musculaires, les muscles. L'efficacité. Voilà, un peu les trucs qu'on voit un peu sur le. C'était la grande mode pendant les télé-shopping des sports élec et ce genre de choses là. Mais là, on est vraiment sur un. Vincent Bertrand a sorti la même chose, mais connecté. C'est-à-dire que tu pilotes le système que tu as autour depuis le smartphone de ta sangle abdominale avec ton smartphone et via une appli. Là, c'est. Enfin, moi, honnêtement, je l'ai testé vraiment longtemps. J'ai vu l'application évoluer. J'ai été mis en contact avec l'équipe de Bluetense, puisque je les ai rencontrés, mais j'ai aussi joué le jeu. Je me suis dit, bon, alors si on n'est pas journaliste et qu'on n'a pas accès directement aux personnes, comment ça se passe? Et en fait, c'est assez bien fait depuis leur site. On peut les contacter. Évidemment, ce programme, ce traitement, il intervient qu'après la consultation de son médecin généraliste qui va vous envoyer dans un premier temps voir un kiné. On peut pas faire ça comme voilà, ça, c'est un peu eux vous donnent une ordonnance. Mais ça serait un peu exagéré que de dire, je sais pas, j'ai un peu mal à la jambe là, prescrivez-moi quelque chose, voilà, parce qu'ils sont capables de vous positionner différents programmes. Donc vraiment, moi j'ai vu s'étoffer la liste des programmes disponibles, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand même un produit qui coûte 149 €. Donc là, on le voit, le boîtier est vraiment tout petit. J'étais sceptique. Je me suis dit comment ce petit truc peut fonctionner. Et vraiment, j'en suis revenu assez convaincu. Donc ça t'a soulagé? Ça m'a soulagé, vraiment. Je l'ai essayé aussi après des efforts plus classiques, une grande balade à vélo. On se dit, bon, je sens que la courbature est pas loin, on va se mettre ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui recommande pour les traitements lorsque ça va vraiment pas bien, en préventif, sur la durée. Après tout, une fois qu'on l'a, on se positionne les patchs. Il est possible d'en acheter d'autres. Alors, j'ai pas le prix en tête parce que j'en ai quand même 8 qui étaient livrés. Donc voilà, donc plutôt une très très bonne surprise de ce côté-là, sur ce produit. Donc on demande à son médecin ou à son kiné. Et on demande, voilà. S'il est d'accord, s'il trouve ça intéressant. S'il trouve ça intéressant, on contacte Bluetense qui nous font ce programme. Parce c'est que l'équipe de Bluetense, c'est en ligne. En ligne mais cette équipe de Bluetense, je ne l'ai pas vue moi sur les magasins, effectivement. Mais parce que Lucien nous dit c'est déjà en vente. C'est déjà en vente, oui. Ouais. Moi, ça fait 6 mois que je l'ai. D'accord. C'est des gens que j'ai rencontrés sur un salon MedPi. Donc j'étais vraiment sceptique. Et en fait, il y a dans les évolutions que j'aimerais voir apparaître, c'est la possibilité de pouvoir piloter les électrodes séparément. Aujourd'hui, il y en a 4. Elles sont toutes connectées au même boîtier. Le faisceau, enfin le signal qui arrive pilote les 4 électrodes de la même manière, donc avec plus ou moins d'intensité. Et finalement, pour mon cas, quand la douleur était localisée sur la partie lombaire en bas à gauche, finalement à droite, j'avais pas spécialement besoin d'être sollicité. Donc ça aurait été quelque chose que j'aimerais voir s'améliorer. Et aujourd'hui, on parle pas mal de réalité virtuelle augmentée. J'aurais trouvé ça pas mal d'avoir depuis le smartphone la possibilité de se prendre en photo avec 2 points de repère, les épaules et les hanches par exemple, et d'avoir une inscription directe sur le smartphone pour vous dire votre douleur est là, placez les électrodes à c'est cet endroit. Ce que j'allais là, dire, ça doit de manière être beaucoup plus précise. Nous-mêmes de positionner les exactement le truc. C'est la difficulté, c'est ce qui nécessite vraiment de multiplier les essais pour y arriver. Vraiment, il faut bien 5-10 séances. Mais idéalement, ça serait bien que par exemple un kiné, nous explique où tu dois mettre effectivement les petites électrodes. Tout à fait. Et pourquoi pas rembourser, c'est un produit à 149 €, pourquoi pas le rembourser mais peut-être, dans un programme de remboursement. Peut-être qu'on est en train de vivre la médecine de demain. Il y a Jérémy qui nous demande, est-ce qu'il faut une ordonnance pour l'acheter ou non. Pas Non. Et puis vraiment, les équipes de Bluetense sont capables de. Elle est composée de sportifs, de kinés, sont tout à fait capables de vous faire une ordonnance que je ne vous recommande pas parce que vraiment, on peut aussi soi-même mal interpréter sa douleur et ça, c'est pas le bon point de départ. C'est bien en tout cas parce qu'il y a plein d'objets connectés dédiés à la santé, mais on ne sait pas trop s'ils sont fiables, pas fiables, etc. En tout cas, là, c'est du test sur le long terme, certifié et approuvé exactement. Par David Noguera. David, on termine avec un autre objet. Alors cette fois-ci, c'est l'objet Wahoo là. Voilà, on change d'univers, on s'intéresse au monde du PC avec HP qui a surpris tout le monde en proposant un PC hors du commun. Non, alors c'est pas celui-là. Celui-ci c'était la master. Mais c'est pas grave, du chef. On va parler de celui-ci. Allez. Et on parle de celui-là d'abord. Alors. Voilà. Allez. Montre-nous un petit peu ce que c'est. Alors ça, Jérôme, c'est à moi de t'en parler. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est un truc de dingue. Regarde ça, c'est un boîtier pour PC de gamer. Ah, je croyais que c'était ta nouvelle chaudière. Non, c'est un boîtier pour PC de gamer et c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu achètes ça, ça coûte 2 400 €. C'est une marque taïwanaise qui fait ça. Il y a le PC pour ce prix-là. Ah non. C'est que la boîte. Que la boîte. Là, Emric l'a équipé là. Tu n'as que la boîte et en fait à l'intérieur, après tu vas mettre ta carte mère, tu vas mettre tous les composants pour fabriquer ton PC. Voilà d'ailleurs Emric Siméon qui est à l'œuvre là. Nous a préparé une petite vidéo qu'on mettra en ligne sur Zéronet TV ce week-end et il nous montrera véritablement comment ça marche. Il nous parlera des points forts et des points faibles de cet appareil. La société taïwanaise s'appelle InWin et c'est le H-Tower.
et c'est un truc incroyable. Ah, c'est vraiment l'appareil ultime pour les gamers. C'est un truc de dingue. Mais c'est pas idiot parce que... Qui ont un que... peu de place. Hein. Ouais. Alors il y a le côté fun, c'est impressionnant, et puis il y a le côté pratique, parce que c'est vrai que quand on bricole souvent son PC, exactement. Ben, c'est mieux d'avoir le truc à plat comme ça qui monte un peu plutôt que de devoir se mettre à quatre pattes. Et sauf qu'il faut avoir 2 400 € à jeter rien que pour le boîtier, et après tu mets la même chose. Et après autant dans la config. Voilà, pour la config. Il y en a pour 5 000 €. 5 000 €. Tout va bien, vous n'avez pas le moniteur, hein, parce que le moniteur, voilà, c'est presque secondaire. Voilà, on referme cette petite parenthèse, mais c'était tout simplement pour vous donner envie d'aller sur 01net TV ce week-end. Aymeric Simon nous a fait une vidéo complète sur cet objet hors du commun. Et du coup, on va terminer par ce très bel objet également signé HP, tu le disais. Alors ça, c'est un vrai PC portable, celui-là. Le Spectre. C'est le Spectre 13. Exactement. Bon, alors Spectre, c'est pas nouveau hein, chez HP. Non, hein, il y a tout, on va dire une famille gamme, de produits, le portable haut gamme de chez HP. Sauf que là, ils ont sorti un produit qui bat des records, hein, David. Hein. Et oui, 10,4 mm d'épaisseur. Donc ce serait juste le PC portable le plus fin du monde. 1,1 kg. Alors effectivement. Plus fin que le MacBook. Plus fin que le MacBook, oui. Ah ouais, avec a priori avec avec 10, alors ils ont juste dit le PC le plus fin du monde. Il va falloir qu'on vérifie ça lorsqu'on l'aura, parce qu'il y a toujours ce petit jeu entre est-ce que la cote est bien prise au point le plus épais du PC quoi. C'est donc on vérifiera ça quand on l'aura. Ce qui est sûr, c'est qu'il est juste assez sublime. Il a été présenté dans un petit complexe assez sympa, hein, le Trianon à Versailles, hein, lors d'un événement New York Times International Luxury Conference. Donc voilà, donc ça plaçait plutôt bien le cadre. Et effectivement, cette machine, elle est juste sublime. Et a priori, plutôt performante, parce que HP aurait travaillé sur le système de refroidissement. Alors un système de refroidissement qu'ils ont qualifié d'hyperbar, rien à voir avec les caissons de plongée. Hein. Là, ici, c'est un système qui, en fait, tout simplement aspirerait de l'air frais de l'extérieur de la machine pour l'envoyer à l'intérieur et refroidir les composants. Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même du processeur Core i5 ou Core i7 d'Intel. Il y aura jusqu'à 512 de SSD, 8 Go de mémoire vive. Et puis après, bon, classique sur la connectique, on est plutôt sur de l'USB type C avec la promesse d'une autonomie de 9h30. Donc ça aussi encore, pas une, mal. Encore une donnée du qui sera vérifiée. Du son Bang & Olufsen, tout à fait. Oui, parce que ça c'est le nouvel accord. Donc, alors je ne sais pas si on a les images de deux déclinaisons qui ont été faites sur une version or. Mais vous savez quoi, il y a une version or là, non? Alors je ne sais pas. Non, là celle-ci c'est la version classique avec les charnières qui sont effectivement classique, j'ai envie de dire, c'est quand même magnésium et fibre de carbone. Hein, donc voilà. Mais il y a une version or. Et une version aussi certie de diamant. Voilà. On va bien évidemment, dès qu'HP nous en prêtera, on vous le montrera, on fera une petite vidéo bien sûr, parce que ce produit a l'air vraiment très intéressant. Combien tu disais l'épaisseur? Je disais 10,4 mm, donc on y est. Ah ben bah alors le MacBook 12 pouces est à 1,31. Voilà. Donc 13,1. 13,1, donc il est... Donc il serait plus fin. Le HP serait bien, bel et bien plus fin. Voilà. Okay. On verra bien. Préparer les règles. On va préparer ça. Voilà. Pour voir. C'est important. Mais belle vérification en live. Hein, voilà. avec un prix qui débuterait aux alentours de 1500 €. 1499. Donc finalement, c'est pas délirant. Spectre qui sort dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, David. Rien. Un dernier point concernant notre sondage, notre question 01net Orange sur 01net TV. Oui, sur quels critères en priorité choisissez-vous un smartphone? La marque arrive en tête pour 26% d'entre vous, suivi de la puissance, du design, de la taille d'écran et la qualité photo, on l'a dit, n'arrive toujours qu'en dernière position. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que peut-être que notre audience s'intéresse plus à la puissance ou à la marque du smartphone que à la, on va dire, aux capacités photo. Hein. Ouais, on aurait pu parler d'autre chose aussi, l'autonomie. Oui, l'autonomie, etc. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critères exactement. À prendre en compte. N'hésitez pas à continuer de voter, puisque c'est notre question donc 01net Orange de toute cette semaine. Voilà, le produit de la semaine, c'était donc le P9 de Huawei. Il y a des vidéos à aller voir sur 01net TV. Petite présentation de l'appareil, petite prise en main de l'appareil photo également, puisque c'est sa grande particularité. En effet, et puis bien sûr toute l'actualité high-tech, vous le savez, au quotidien sur 01net TV. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur 01nettv.com et sur YouTube. Vous cliquez sur abonnez-vous, comme ça, et bien vous serez tous les jours avertis des nouvelles vidéos qui sont postées sur 01net TV. Et surtout, revenez la semaine prochaine, on le répète, 01 Live Hebdo, c'est le seul live 100% high-tech. Chaque jeudi à 18h en direct sur 01net TV. Portez-vous bien, bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye.